Malgré le vent et la pluie, un panorama dégagé sur le quartier nord depuis Tour et Taxi. Une vue, parmi d'autres, à préserver dans le cadre de futurs projets de construction. C'est un panorama qui est apparu récemment dans la conscience collective bruxelloise et qu'il faudra absolument préserver dans les prochaines années. La Commission est vigilante par rapport à cet aspect-là. La Commission dit aussi, et c'est un message vers le futur gouvernement, qu'il y a probablement de nouveaux panoramas qui sont à protéger. L'un des 28 points de ce mémorandum présenté aux députés par ses architectes de la Commission des monuments et sites. Il plaide pour être entendu plus tôt dans les dossiers, pour toujours moins de destruction d'immeubles, ou comme ici, un meilleur ratio entre patrimoine ancien et intervention récente. Le bâtiment qui est en dessous est respecté dans sa nature, et le bâtiment au-dessus, ça peut réaliser très finement. Voilà, il y a des autres très très belles exemples. À l'instar de l'ancienne Royale belge, qui cumule selon eux beaucoup de bonnes pratiques, comme la conservation dans le cadre de mise aux normes d'éléments de petit patrimoine, de détail. Ici, les portes de l'hôtel communal de Forêt, adaptées pour résister au feu plutôt que remplacées. Comme pour ce projet, il souhaite que dans le futur, on concilie mieux patrimoine et normes incendie ou encore PMR. Alors on plaide pour un cadre où il y a une certaine liberté pour arriver à un niveau qui est acceptable mais qui n'est peut-être pas équivalent à celle du nouveau bâtiment. Au-delà du bâti, ces architectes espèrent aussi pour le patrimoine naturel cette fois, moins de table rase du passé. Il ne faut pas refaire pour refaire, hein, la table rase, c'est vraiment pas, surtout pas pour la nature, la bonne manière de travailler. Il faut les préserver de toute manière, ne pas les utiliser comme des zones d'événements et autres, parce que ça met en péril ces zones vertes. Des demandes écoutées par les députés de cette législature, mais que ces experts espèrent bien faire remonter à leurs successeurs.